de suite, les deux oreilles de la tête. Les deux oreilles de la tête. Sur Magnum Radio. À la fin des années 90, si t'étais fan de rock, t'as forcément déjà entendu les Red Hot Chili Peppers. Bonne nouvelle pour les fans du groupe, ils sont de retour. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Et pourtant si, 6 ans après leur dernier album, le groupe californien s'est dit « Bon les gars, faudrait quand même qu'on s'y remette ». Ils sont retournés en studio, ils ont bossé et aujourd'hui sort Unlimited Love. C'est le nom qu'ils ont donné à leur 12e album studio. Avec forcément des morceaux qui vont casser des vertèbres au niveau de la nuque, un album qui revient aux sources, tout d'abord parce qu'ils sont tous là, Anthony Kiedis au chant. It's understood that Hollywood sells Californication. Chad Smith à la batterie. À la basse, Flea, le fou. Mais surtout, ce nouvel opus annonce le retour du guitariste John Frusciante. Qui c'est ? Je ne sais pas. Mais non, tu vois très bien. Qui c'est ? Bah, c'est le guitariste des Red Hot. Il était là quand le groupe était au plus haut niveau de sa carrière. Avec John Frusciante, les Red Hot retrouvent enfin la dernière pièce manquante qui faisait le succès du groupe dans les années 90-2000. Et la preuve en est avec le titre qui ouvre ce nouvel album et qui s'appelle Black Summer. Refrain évocatif, mélange entre les styles rock et funk, pas de doute sur la marchandise, les Red Hot sont bien de retour. 17 nouveaux titres sur ce nouvel album, Unlimited Love, et en plus, il est disponible depuis ce matin partout. Et ça, ça s'écoute avec les deux oreilles de la tête. Retrouvez les deux oreilles de la tête en podcast sur magnumlaradio.com.